Alors au piano, c'est tout à fait particulier parce qu'habituellement, les chanteurs de variété dont je fais partie ont des pianistes de variété. Ceux qui ne comprennent pas, demandez à votre voisin qui comprennent, ils peuvent vous traduire. Alors, voilà, j'ai pensé que, étant donné que la chanson française est devenue une chose tout à fait classique dans le monde, j'ai pensé qu'il me fallait avoir un pianiste classique. Et j'ai été chercher un pianiste classique que je connaissais depuis longtemps, parce que je l'ai connu quand il avait 5 ans. C'est le fils d'un de mes amis. Il a ceci de particulier, c'est qu'il a été aimé partout dans le monde, il a des prix partout. Il a surtout une chose à laquelle je tiens particulièrement, parce qu'il s'agit d'un compositeur, un de mes compositeurs préférés. Il a gagné le prix Frédéric Chopin à Varsovie il y a quelques années. C'est Eric Berchaud. Vous me faites bafouiller. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que des sourires ne quittent la place, avant que le savoir, la jeunesse s'enfuit. Cela semble sourd que l'on est tous surpris, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Les instants de nos 20 ans sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait passer. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder.
sa jeunesse.